Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Book of Ours. On est toujours en live et on reprend notre petite session. On vient de débloquer deux salles, pas inintéressantes, mais sur lesquelles il faudra qu'on travaille demain. Et là, on a a priori un petit paquet et là un truc de contrebande qu'il va falloir qu'on ouvre. Donc on va faire ça. On va passer en vitesse 4 pour passer la nuit, tout est fatigué, on n'a rien d'autre à faire de toute façon. Alors on pourrait continuer de commander des trucs en boucle, hein, en vrai, c'est vrai que ça nous coûte pas si cher. On verra si on a un moment un petit sou à utiliser. Ben non, il est parti le voleur. Mais je peux l'ouvrir a priori, hein, c'est un truc de type cache, donc... On devrait pouvoir en faire quelque chose, on va tout de suite regarder ça. N'importe quel effort, on va utiliser celui-là qui ne nous sert pas des masses. Ah, ce serait tomber du bateau. le fameux colis tombé du bateau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a du rain. Ouais. Rain, c'est deux trucs qu'on n'a pas trop, mais du grail, il y a peut-être moyen du grail. On a un grail level 2 avec Ereb. Ça nous ferait un souvenir, ça nous ferait du 4. C'est du forge qu'on a en 6, pas du grail. On peut peut-être tenter ce moon là. Oh, on n'a pas de moon. On pourrait tenter un winter. Winter avec notre truc comme ça, si on le prend. On met ça. On est à 6, il nous faudra un souvenir de type winter. On peut en avoir un pas mal. Avec le livre là, ouais, mais il faut le lire. Donc, pour le moment, il faut qu'on termine nos packages. Tomber du bateau, c'est précis. Regarde, c'est... Quel bateau a perdu ça? Ça, c'est moss et rose, on va les utiliser en priorité pour ce genre de trucs qui ne serviront à rien. On pourra retenter le Knock aussi, éventuellement. Il était quand même de level 4 seulement, quoi. Il n'a vraiment pas eu de bol de le réussir. Enfin, de le rater, plutôt. Non, on a dit qu'on allait tenter du Winter. Donc je vais pas utiliser ça pour crafter mon huile magique, là. Ok, ça me donne des lost packages, quoi. Maybe. Bon. C'est peut-être pas la priorité. Même si forcément, on est curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Bon, bah écoutez, on va ouvrir. On va continuer de travailler dessus. Alors, c'est 60 secondes. Bon, faut qu'on fasse des trucs pendant ce temps-là. On peut pas cataloguer. Du coup, ce qu'on va regarder, c'est si on peut pas crafter des choses intéressantes. Avec du moss. Il nous faudrait un truc où on peut travailler avec du moss. Je crois que le nouveau truc de travail là. Non, on peut faire du scale ici. Mais le scale, on a déjà vu ce qu'on pouvait faire. On peut faire du edge. Pas de edge. Le scale, il faisait l'espèce de patte de loup. Le moon, il faisait la marque de minuit. Le winter, il fait l'huile. Là, on pourrait faire du sky, mais on n'a pas d'aspect sky. Non, toujours pas. Du grail. Non, on n'a pas de grail. Il y aurait Moss éventuellement, mais il nous faut un endroit où on peut travailler sur Moss. Et là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Celui qui est là-bas. Non plus. Ici, on pourrait. Oh, oui, mais non, mais là, c'est un objet spécifique. Un truc spécifique.
peut quand même essayer. On pourrait réussir à faire un truc. Il nous faudra une mémoire. On aurait 5 assez facilement avec la mémoire de l'autre livre là. Ah, il nous faut des livres pour tout quoi. Bon, on va répondre à ça. Non, il nous faut de l'encre. Ça la consume pas l'encre, donc hop là, c'est parti. Ah, mais je peux choisir en fait. Copper wire, glue, âme, evening is a coffee. Du sucre, du beurre. Ah oui, d'accord. En fait, je peux choisir ce que je prends. Effectivement, c'est vraiment. On va commander du copper wire, allez. Salut Kaiser, excuse-moi, je t'ai concentré sur mon truc. J'espère que tu vas bien. Et GG pour tes succès sur Stronghold, hein. C'est bien joué. Allez, on envoie ça. Il faut de la thune. En attendant, on va travailler un peu parce que mine de rien, nos réserves diminuent doucement. Mais écoute, ça va pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal, je dois avouer. J'aime beaucoup ce jeu. Je m'éclate bien dessus depuis hier. Et alors, le 100% succès sur Book of Wars. Tendu. Très très tendu. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce fameux package? Un livre. Non, c'est pas un livre. C'est un thé. Drinking cocoa. C'est un genre de chocolat. Ok, c'est du chocolat. Parfait, du chocolat. Et eh ben écoutez, on va le laisser là, ça me paraît pas mal. Et on va essayer d'ouvrir ce truc-là. Ça c'est quoi? Moon et Moss. Ouais, on a dit qu'on pouvait avoir du Moss, donc non, on va pas utiliser ça. Ça, Grail et Elge, on s'en servira pas aujourd'hui, je pense pas. Il y en a combien des succès? Alors attends, parce que je suis sur GOG, donc c'est pas le même truc que d'habitude. Il n'y a pas le nombre. Il y a juste la liste. C'est con ça. Et surtout, en fait, si tu veux, il y a un succès qui est commun, qui est en gros le truc que tu es obligé de faire dans le tuto, quoi. Et après, tous les succès, ils sont rares ou épiques. Donc ça doit être des circonstances à débloquer dans le jeu. Mais c'est bizarre, enfin c'est con, GOG te donne la liste des succès, mais ne te donne pas le nombre, alors je vais pas les compter. On va aller sur Steam. Là c'était pas de Knox, hein. C'est pas du type Knox. 78, bah ça doit être ça, ouais, une grande liste donc. Ah, c'est dommage de pouvoir avoir qu'un seul considère en même temps. J'ai envie de réessayer le knock là. On va faire ça aujourd'hui, ce knock. Il nous faudra un souvenir de type knock. Non, pas obligé, on n'a pas besoin. On va s'en tirer sans. Là, on a terminé de travailler. On va continuer de travailler. Et ici, on a ouvert le package. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un fil de fer. Ok. Donc, c'est un fil de fer qui est tombé du camion. Eh ben, bien. Bien, 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 bien. Je suis fort aise.
Allez, ici, il faut qu'on arrive à avoir le 4. Il faut qu'on tire un esprit ici. C'est déjà la fin de la journée, donc je me lance pas. J'aurais pu lire un livre, sortir un souvenir, tenter de faire un moon ou un winter, un truc du style, mais on n'est pas pressé, les souvenirs qu'on a sont pas limités. J'aimerais réussir ce Knock, c'est juste du level 4. Et salut Gaelden, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. On garde Chape de côté parce qu'on va peut-être pouvoir l'utiliser pour booster ici. Sinon, on peut peut-être utiliser la clé, mais je n'ai pas réussi à utiliser la clé. Hein. Je sais pas encore à quoi elle sert. Ici, hop, on a travaillé. Donc avec ça, on peut écrire des lettres et faire des calculs pour les gens. Eh bien écoute, moi ça va très bien. Une memory. Ah parfait, on a le soul, on va pouvoir mettre le soul. En plus on a une épiphanie. On va pouvoir avoir le 4 là, on va pouvoir mettre un soul. Ça va passer à 4. Moi ça va très bien, Chobiti elle se remet lentement, on va dire. Voilà, on lui met ça. Et là, on est même à 5 maintenant. Parfait. Donc on devrait pas avoir besoin du reste. Ah oui, vous étiez pas là hier pendant le live où elle a toussé très très fort. En fait, elle a eu des acidités gastriques, là, des reflux gastriques, ça lui a un peu cramé la trachée, donc ça fait une semaine que bah elle doit se remettre, et sauf que bah comme on peut pas vraiment guérir ça, tu tousses et tu craches, et tu tousses et tu craches, et t'évacues, et c'est assez désagréable, et pas hyper glamour, on va pas se mentir. Oh, une mémoire de type Knog, dis donc. Mais ça commence tranquillement à se guérir. Ça, c'est cool. Il donne des mémoires de type Knog, ce livre. Chobiti? Il est où mon carnet? Et on a appris une leçon. Le grand signe et les grandes cicatrices. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc avec ça tout de suite maintenant? Est-ce qu'on a des memories de type Knock? C'est un peu loin. Non, rien qui justifie d'en urgence soigner nos trucs là. Tant pis. On sait qu'on peut le refaire ce truc-là. Donc on va le garder de côté, ça, on va utiliser notre thrist pour finir la journée en cataloguant un livre. N'a pas d'autre caché derrière, non c'est bon. Je suis passé en mode carnet, alors en fait, pas encore tout à fait, mais le truc en fait qui me bloquait hier, on réfléchit avec Chobiti, c'est que ce qui me manque vraiment, c'est que j'arrivais pas à générer des souvenirs fiables pour avancer en fait. J'étais obligé de me baser sur les souvenirs du temps ou éventuellement un événement, un truc du style. Et c'est ça qui me coinçait, puisqu'il faut des souvenirs absolument pour avoir les scores qu'il faut pour masteriser les livres, etc. Et du coup, en fait, en cherchant, en essayant des trucs, en creusant un peu sur les conversations Steam, il s'avère que quand tu lis un livre, en fait, que tu as déjà masterisé, ça te génère un souvenir qui est toujours le même. Et donc, bah, en gros, l'idée, c'est de savoir quel livre te génère quel souvenir, quoi. Simplement. 14 de Grail. Ah ouais, c'est pas donné. En plus, c'est dans un langage qu'on ne connaît pas. Ok, bah du coup, on a terminé pour la journée. On va donc travailler sur la leçon. Et ça nous a bien débloqué. Tu vois que déjà, on a appris deux autres trucs. On a pu passer Ink of Containment level 3. Le Furinfeaser level 2 directement. On a Edict Liminal en nouveau. Là, on a un nouveau truc qui va nous arriver. Un nouveau skill, pardon. On a pu progresser sur notre arbre un petit peu. On a débloqué cette branche de niveau 2. Donc, globalement, ça nous a bien débloqué, ouais.
Alors, on a The Great Things and the Great Scar. Ushri et Oromakistry. Alors, c'est deux trucs qu'on n'a pas commencé encore, ça. Oromakistry et Ushri. Esthétique, nécromancie et silence. Non, c'est esthétique, c'est esthète. Non, c'est bien esthétique, je crois. Et là, l'art délicat de travailler avec les lois et les limitations des dieux secrets qui sont appelés les heures et leurs émanations nommées. Est-ce qu'on partirait pas dans un peu de nécromancie, hein? Alors là, c'est un truc niveau 2 débloqué, ça veut dire qu'on doit avoir une compétence qui pourrait aller dedans. Non, bizarre. Pourquoi il nous le met? Bon, après, on les a commités de toutes les autres, mais. Alors, si on se met là, on débloque du fait encore. Ouais, fait chier le fait, quoi. Et là, du cerise, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. On va partir là-dessus. Hop là. Et du coup, on a. On peut cataloguer un livre de plus. Pendant la nuit. Et on commence à avoir catalogué bientôt tous les livres qu'on avait. Enfin, il nous en reste 4 ici, mais après, ce sera tout. Donc il va falloir qu'on ouvre des salles avec des livres. Là, il y a l'air d'en avoir un peu. Smoking room. Ah, c'est dommage si on n'a pas terminé ça. Bon, c'est pas très grave. Alors, aujourd'hui, on pourrait essayer de monter ça level 4, mais je pense qu'il va nous falloir 3 souvenirs. On va vérifier, mais. Ça semble nettement plus simple que Cultissime parce qu'il semble difficile de perdre. Alors, oui, en vrai, tu peux pas perdre sur ce jeu. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'inspecteur qui vient te voir ou quoi que ce soit. Je pense que tu peux pas perdre, sauf vraiment à forcer en faisant rien et voilà, tu fais que dalle quoi. Ou peut-être au tout début, quand t'es moitié noyé, si t'arrives pas à sortir de la plage en 6 minutes, je pense que tu perds, mais bon, pareil, il faut vraiment enlever la pause et passer le temps quoi. Donc non, c'est très difficile de perdre. Mais tout ce que tu peux faire en fait, c'est mettre plus de temps pour faire les choses. Mais j'ai même pas l'impression qu'il y ait une limite de temps, donc tu vois, même si tu utilises aucun des trucs secrets pour récupérer des trucs, aller plus vite, etc. Bah, au pire, tu mettras 10 jours pour faire un truc que tu aurais fait en 3 jours normalement, mais c'est pas grave quoi. Y a peut-être un moyen de perdre, et je pense qu'il faut forcer pareil. C'est si tu t'essayes plein de challenges très difficiles, que tous tes machins tombent malades et que du coup tu peux pas les soigner. Bon, bah là, c'est fini quoi. T'es coincé. Et je sais même pas si tu perds ou si juste t'es coincé quoi. Je sais pas s'il y a un écran de fin de jeu quoi, techniquement. Donc ça c'est du grail level 10, c'est trop pour nous. Tac tac tac. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On a eu Gale. C'est du Sky, ça nous intéresse pas. Et c'est du Earth. On n'a pas de challenge de type Earth. Par contre, on pourrait l'utiliser pour peut-être ouvrir une pièce. Il y avait une pièce qui demandait du Earth, non? Ah, c'était peut-être celle-là, on l'a déjà ouverte. Ouais, c'était celle-là. C'était Sky level 3. On pourrait monter un Sky de quelqu'un. On a aussi moyen de générer un secret de type Knock. Ouais, donc c'est vraiment plus de la stratégie Cultist Simulator. Tu peux perdre, tu vas atteindre t'as un objectif, etc. Alors que Book of Urs, c'est plutôt. C'est clairement assumé que c'est un jeu de rôle narratif sans combat. On va peut-être ressortir notre. Notre chère femme au foyer, là. Notre sage-femme. Candy Woman. Ouh, il y a des trucs qui ont popé, là. Alors, on a eu une invitation à un nouveau catalogue.
cool. Et ici, on a de nouveau quelqu'un qui va venir nous voir, ça c'est cool. Alors sachant que là, Gaelden, alors il n'y a pas de lien sponsorisé sur ce, sur celui-là parce que c'est un truc, enfin il n'est pas disponible sur Gameplanet ou autre, mais il y a 20% si tu l'achètes sur GOG en ce moment. Je l'ai eu sur GOG moi. Alors, Mrs. Kale, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il me semblait bien que tu étais de type Earth et de type Grail. Par contre, deux, c'est peut-être jouable. Ou alors, ouais, non, tiens, on discute du souvenir avec toi et tu nous ouvres le jardin. Ouais, c'est bien ça. Hop, hop. C'est parti. Alors, ici. Alors, TRN sélectionne ses clients avec attention. Ils font rarement de la pub, mais dans leur longue histoire, ils n'ont jamais manqué de clients. Ok, on va regarder ce qu'on peut commander avec eux. D'encre. Ah, du parchemin, de l'arsenic. Divers boissons. Plein de boissons. Cool ça. Naivin Parchment, c'est. Alors j'ai pas encore trouvé comment en faire. À quoi ça me servirait, mais c'est ce truc-là, là. Un parchemin de type Winter. Enfin, un papier de type Winter. Mais je peux pas l'utiliser dans les challenges malheureusement. Ok, on va garder ça sous le coude, des fois qu'on ait besoin à un moment de commander des trucs. Et donc là, bah on peut rien faire, ça va arriver quand ça va arriver. On va se cataloguer un petit bouquin. Ou alors on génère un souvenir. On est début de la journée. Qu'est-ce sur quoi on pourra travailler aujourd'hui? Voyons voir. On a toujours ici un Mystery Moon à 6. On a 3 avec toi. On a un deuxième cerise qui pourrait nous permettre de booster le Moon. Ça pourrait être une idée, hein. On a un deuxième skill ici qui a 3 également. On a moyen, je pense. On va travailler dessus. Non, il faut qu'on soit sur l'autre bureau. Hop là. On va mettre ça. On est à 4. Il nous faudrait une. Ah oui, une memory de type Moon. On n'en a pas encore de memory de type Moon. Du coup, si on a un skill, c'est bon parce qu'on booste de 3. Par contre, si on a un soul, c'est pas bon parce qu'on rajoute que 1. Après, on pourrait mettre ça. Est-ce qu'on peut le mettre directement? Ça m'étonnerait. Ouais, mais des fois quand on met autre chose, ça change les. Non, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Ok, alors ce qu'on va faire du coup à la place, c'est qu'on va lire ce livre-là. En fait, ça va si je me gourre pas nous générer un souvenir de type Winter. Et on pourra essayer de voir ce que ça donne si on craft un truc de Winter, peut-être au niveau 10. On va voir. On va voir, on va voir. Et, oula, petit lag. On va travailler. Alors, on ne servira pas du knock aujourd'hui. On va travailler un peu à la taverne pour se faire un peu de sous. On va regarder ce qu'on peut crafter aussi en moss. Oui, mais on a dit qu'on n'avait pas de bureau qui fait du moss, c'est dommage. On a un pas de bureau qui fait du knock, donc on peut pas faire de knock. Par contre, on peut faire du grail. On a des trucs de type grail. On a Ereb qui est de type grail level 2. On serait à 4, c'est pas assez.
Il faudrait un truc pour nous aider. Alors, maintenant, toi, tu as suffisamment de herbes pour ouvrir ici. Ouvre-nous ce petit jardin. Ah, du coup, toi, on va te remettre dans la bibliothèque. Qu'est-ce qui se passe? Ah, docteur Yvette Saucey qui va arriver. Très bien. On va aller faire un tour là avec notre ami le loup. Voilà, le regret, il est de type hiver level 2, c'est parfait. Du coup, est-ce que on peut travailler dessus? Il nous faut ça. Il nous faut ça. Il nous faut ça. On est à 8. Est-ce qu'on peut rajouter un truc? Non. On peut rajouter un papier. On est à 9 avec ce papier. Il nous faudra une encre, mais on n'a pas d'encre de type winter. Dommage ça. C'est dommage. Juste à 9. Il faudrait un outil, mais on n'a pas d'outil. Ça, c'est quoi? C'est un outil, ça? Ça compte comme outil, ça? Non. Par contre, ça veut quand même dire qu'on peut avoir un très bon score, là. Ah, on est à 8 pour 8, on peut le faire, c'est parti. C'est parti. Alors ici, du coup, elle peut nous apprendre l'Ericapaian, ok. Le grec, le Carnewick Enavec, ok, c'est un genre de breton. elle est intéressée in moon, in winter, mais on va essayer d'avancer un petit peu... On va essayer d'avancer un petit peu, je pense, sur l'histoire de la tapisserie. Alors, un de mes patients est dérangé par le rêve d'un lac. Alors, il nage, il plonge, il renaît sous la lune, très bien. On l'a identifié le mois dernier comme le lac de Gladwin, ok. Il n'a jamais été là, il a envie d'y aller. Et maintenant... j'ai entendu parler de cette affaire de tapisserie et du rite qui va avec. Ah oui, c'est vrai que c'était le rite à faire sur le Gwendolyn Lake. Donc, on a plusieurs choix. Soit on peut lui filer un livre qui colle avec ses trucs, elle va nous donner de l'argent puis partir. Soit on peut lui donner à manger, mais ça sera dans House of Light. Du coup, on pourra aussi lui donner un lit. Mais ça, ça le fait durer. C'est censé lui permettre de rester plus longtemps, mais je sais pas si c'est plus longtemps, genre là, elle reste 6 minutes et elle va rester 10 minutes, ou si c'est plus longtemps, genre on va pouvoir faire plusieurs choses avec elle. On pourrait essayer. Par contre, le seul lit qu'on a, il est là. Et donc, il faut qu'on le lâche. Ah, il faut qu'on le lâche avec un élément... Ah, oh, ça, c'est bon. Un élément qui va bien. On va lâcher ce lit-là, on va essayer de la mettre dedans, et après, on discutera avec elle, et on verra si elle reste. Et combien elle me demanderait pour... Si je lui donne ça... Ah non, c'est ça. De toute façon, il partira. Elle va partir. Et alors, du coup, ça le dit si je donne un livre de type Moon. Ça dit pas... Donc on va essayer de la mettre dans le lit pour voir ce que ça fait. Tout, faut qu'on essaye. Hein. Donc
Donc là, on ouvre cette pièce, on a ce desk là qui travaille, on a le lit qui travaille, on va se détendre pour le moment, garder un petit peu de trucs disponibles s'il y a besoin. Alors, oh, un sympathique jardin enneigé. C'est vrai qu'on est en hiver, tiens, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du whisky, parfait. Du whisky qui est de type rose en plus, et forge. Des plantes de nouveau, mais on est toujours naze en termes de plantes. Des chaises de jardin. Pardon, ce que je voulais faire. Et c'est tout. Ok. Et bah écoutez, parfait. Et on a débloqué l'infirmerie. Oh, qui est carrément atteignable également. L'infirmerie, ça pourrait être intéressant. C'est écrit quoi là? Un refuge pour tous ceux que le monde peut considérer impurs. C'est beau. C'est beau. Perso, tu penses que c'est plus urgent de descendre vers la cave? Ouais, mais c'est cher. On est déjà sur du 6 là. Après, c'est la cuisine, hein. Ce serait certainement cool d'avoir accès à la cuisine, mais. Pour le moment, c'est pas encore fait. Alors, là, on a récupéré ce lit. Du coup, est-ce qu'on peut la mettre dedans? Ouais, non, ça va juste la faire rester plus longtemps. Bah, écoutez, on va essayer quand même. Ah, et ça dure 3 minutes, alors qu'il est resté 6 minutes, quoi. Il y a peut-être des créatures indicibles dans les sous-sols. Alors, d'après un des screenshots du jeu sur la page du jeu, il y a probablement des salles de torture dans les sous-sols. Je sais pas s'il y a des créatures indicibles derrière les salles de torture. Allez, là on va apprendre des choses sur quoi. Sight and Sensation. Ok. Ah, on va peut-être pouvoir devenir un peu plus versé en compétences artistiques. On verra. On va voir, on va voir. Alors en attendant, on va se cataloguer un petit bouquin. Toc, avec... toi, je pense. Et c'est pas fini encore la recherche là? Pas encore. Du coup, je pense qu'on va travailler. Hop. C'est Yon. Ah oui, c'est Yon. Tu parles de bretons en pleine action de vidage de cave à bière. Des bretons qui boivent de la bière, non mais... Falsug. Quand même. Il y en a qui ont été bannis pour moins que ça. Hein. Regarde là, t'as un super jardin d'hiver avec du whisky, quoi. Ok, là, on a récupéré des ossements. Parfait. Des restes d'animaux. Nickel. C'est nickel, je suis hyper content. On va aller les foutre dans le jardin d'hiver, tiens. Oui, je crois qu'il y avait de la place au sol. Voilà. Ça agrémente parfaitement les lieux. Alors ici, on a catalogué Lady Eva Ripose. Ouh, un Winter level 4, c'est bon ça. Toi, tu rejoins la bibliothèque des trucs faisables. Alors ces livres-là peuvent être contaminés, hein, donc... Il peut y avoir des risques. C'est vraiment immense. Ah ouais, non mais carrément, hein, c'est un truc de fou. Hein. Et puis le choix des pièces que tu vas ouvrir, vers où tu vas aller et tout, parce que enfin, pour tout faire c'est hyper long, ça t'oriente vraiment ta partie. Hein. Moi, je suis un rôliste, alors j'essaie d'avancer de manière à peu près parallèle, mais en vrai, on pourrait rusher. Alors, pas vraiment, parce que plus on progresse, plus c'est compliqué. Donc, de fait, on a plutôt tendance à débloquer les challenges comme ils viennent. Mais, techniquement, il n'y a rien qui nous en empêche, quoi. Alors, Musgrave, qu'est-ce qu'il dit? Il discute de la tentation de faire...
La perfection minimaliste des peintures pâles. Ouais. Fort bien. Donc avec ça, on va pouvoir apprendre, mais on le fera quand on aura terminé tout ce qu'on a à faire. Là, on pourrait peut-être tenter. Alors, il nous faudrait un autre souvenir de type Winter pour ce livre-là. Il faudrait qu'on relise ce livre. Ah, mais non, il faudrait qu'on repose après Whist. On est en train de travailler à la taverne. Mais c'est bientôt fini. Parce qu'on a largement ce qu'il faut, rien qu'avec le skill pour le faire. Mais est-ce qu'on travaille dessus cette nuit? Ma bonne femme. Bah, ma visiteuse, elle est dans son lit à dormir là. Mais en fait, oui, ça fait juste. Je pense que ça doit friser son temps. Et ça nous fait gagner 3 minutes parce qu'elle dort, mais après elle reviendra à son 5 minutes qui restait, un truc du style. Allez, on va faire ça ici. On va, dès que là c'est terminé, mais oui, ça a récupéré. Il faut plus qu'un penny. Voilà. Et on va essayer de travailler sur ce truc-là avant la fin de la journée. Mais non, tu passes pas la tondeuse là-dedans. Quoi? Ah merde, putain, mais je me suis gouré. Je voulais. J'ai. Voilà. Bah là, j'ai fait comme Zikino a fait. Je me suis. Elle le dit, je me suis foiré. J'ai mis l'argent avant. Du coup, j'ai récupéré l'assistance du pêcheur. À tout hasard, est-ce qu'il pourrait m'aider à quelque chose? J'ai pas l'impression. Parce que Moon, voilà quoi. Et Sky level 1. Là, c'est 6. Non, bah désolé, mais. Ah tiens, je vais pas regarder, il me donne quoi ce livre? On a réussi à masteriser là. Ah, une mémoire de type Winter. On pourrait attaquer direct du coup. Dès qu'il sera récupéré. Et c'était lequel? Là. C'était celui-là. On va le mettre sur la bibliothèque des trucs déjà lus. Ok, intéressant. Du coup, ouais, j'aurais pu me lancer direct. Bon, enfin, de toute façon, il faut quand même qu'on ait l'esprit, mais. Un pêcheur, ça pourrait amener du poisson pour la cuisine. Alors, non, je crois pas qu'on puisse leur demander ça. Globalement, les mecs qui ont assistance, là, ils permettent d'ouvrir les pièces, les personnages. Mais il faut qu'ils aient les bonnes compétences, bien sûr. Je suis pas sûr qu'on puisse le mettre ailleurs. Genre, si je veux le mettre sur la mer, non. Là, il faut un effort et une connaissance. Non, je suis pas convaincu qu'on puisse les faire travailler ailleurs que dans la maison, en fait. Ouais, j'ai été chercher un truc de sable de plus sur la plage, ouais, tout à fait. Ça râle dehors là, le mec qui passe la tondeuse le dimanche là. Quand les voisins qui sont en mode. Ah! Oui, j'ai l'impression que c'est sa bonne femme qui l'engueule. C'est peut-être sa femme qui l'engueule, ouais. On a deux souvenirs de type Winter. On pourrait en avoir un troisième et monter ça level 3 aussi. Ah! Ça, c'est intéressant. On va prendre. Là, on va jeter ça à la mer. Nos petits ossements. Bonne ambiance voisin chez le cygne noir. Ouais, bah je sais pas, ils reviennent de vacances là et le mec a dû se dire, oh, tiens, c'est ou la dame. C'est scandaleux, j'ai deux brins d'herbe qui poussent. Alors on a des voisins qui sont pour le coup extrêmement non. maniaques de l'herbe. Alors que nous, au contraire, on tombe très très peu.
Et du coup, bah, des fois, ouais, ça. Enfin, je dirais pas que ça fait des clashs, parce qu'il n'y a pas vraiment de clash, mais on se pose un peu la question de ce qu'ils foutent, ouais, des fois. Mais là, ils sont en train de s'engueuler parce qu'elle n'arrive pas à manœuvrer le fil de la tondeuse électrique. Du coup, il est derrière elle, en train de tenir le fil. Parfait. On va pouvoir me passer ça level 4. Ça, c'est cool. Allez, c'est parti. Du coup, on va plutôt passer ça level 4, et puis tant pis, on fera le mastery demain. Ouais, j'ai toujours mon gros bloc de granit, bah ouais, je sais pas quoi en foutre, donc il faudrait que je le mette ailleurs parce que on va arriver. Enfin, après, je vais peut-être prendre une autre bibliothèque pour ranger les trucs comme ça, mais. Alors, ouais, c'est ça. Elle a gagné 3 minutes, mais en vrai, elle a toujours ses 5 minutes, donc ça nous sert à rien. On va immédiatement discuter de ça avec elle. Alors, ce qui serait l'idéal, Librarian, serait que le rite. Involve. Alors, la Our, c'est les dieux, visiblement, qui s'appellent Applebright. Mais, genre, les dieux, genre, plutôt les grands anciens que les dieux classiques, quoi. Le pire, qu'il involve le Crownengross. Ok. Alors, il nous faut un Terrestrial in Moon d'au moins niveau 3. Ah, ça devrait aller. Alors, on a plein des Moons. On peut même lui en donner un. On a déjà recherché. Hop. Ça n'a pas beaucoup aidé. Je n'ai toujours pas quoi dire à mon patient. Ah ouais, mais bon après. N'est pas un autre de lui. Mais je peux lui en donner un très important, hein. Après, techniquement, techniquement, on s'en fout, hein. On peut lui donner ce qu'on veut, ça marche, hein, mais. Les Malachite Supplication. The Seed of Zentrigoret, ça sert à rien. The Queen's Turn, je pense pas non plus. Dans ceux qu'on a débloqués là. Winter. Ouais, bah un des autres alors. Hein. Après, j'imagine qu'elle me donne une plus grosse récompense si je lui donne un bouquin qui l'intéresse, mais. Du coup, bon, c'est un peu tard, mais j'aurais peut-être plus d'intérêt à lui demander de m'apprendre un langage, par exemple. Mais bon, bah, on va donner ça. Hein. Au pire, elle me donnera quand même des sous, même si c'est pas idéal. Allez, ça va terminer juste avant la journée. Parfait. Donc là, on est passé level 4. Ça va commencer à nous permettre des trucs là. Et on va pouvoir apprendre ceci. Et aussi de type Winter et un peu Sky. Mais on n'a toujours pas d'aspect de l'esprit de type Sky. Mais par contre, avec un truc de Moon aussi élevé, on va pouvoir envisager d'aller sur du Moon level 8 ou au moins réussir enfin le level 6 là. Parce que du coup, il est même plus élevé que le Wolf maintenant. Il faudrait juste qu'on arrive à avoir un souvenir de type Moon. Ce serait cool. Commencer à écrire dans le carnet. Ouais, va falloir commencer à écrire dans le carnet, on est d'accord. Et ça, il y a moyen de pouvoir le monter de niveau parce que Sky, souvent les trucs de temps sont de type Sky, donc on va peut-être avoir dès le lendemain un souvenir qui colle hein, pour utiliser notre deuxième leçon. Et alors, c'est de type Ushri et Nyctorodomi. Hop, on a commencé à.
Avancer sur Usherie, ouais. Donc si on monte level 2, on pourra le mettre là. Ce sera cool. Ce sera cool, ce sera cool. Donc c'est le matin. Alors ça veut dire qu'on va attaquer de bon matin avec ce machin-là. Il nous faudrait peut-être un souvenir quand même. Non, c'est du 4. Avec la compétence, ça le fera. Donc on va même pas prendre de livre. On va y aller comme ça. On va mettre ça et on est à 7. C'est largement suffisant. Et du coup, par contre, là, on pourrait éventuellement envisager un moon. Alors du coup, non, parce qu'il me faudrait le skill, mais... C'est Tesrist qui est de type moon, ouais, c'est ça, non. Ah oui, mais il faut que je sois sur le livre, le bureau de type moon. C'est Tesrist qui est de type moon. Donc si on met ça, on est à 4 pour 8. On n'avait pas un à 6. Oui, on en a un à 6. Bon, on serait quand même à 4 pour 6, donc c'est pas forcément idéal. On va attendre que l'autre vienne. Là, on a bientôt fini. Ça l'a pas beaucoup aidé. Elle nous a donné quoi? Ouais, du bronze. Nous aurait donné plus si ça avait été un truc qui l'aidait, en fait, je pense. Et j'avais pas fait gaffe pour le premier visiteur. Je lui ai montré ça. Et du coup, il m'a donné du bronze aussi, donc je pense que ça devait pas être ce qu'il voulait. On peut pas fusionner des trucs là. Voilà. Lui, il va partir dans 22 secondes. Snow! Oh! Du Winter et du Sky. Du Winter. Est-ce qu'on se tente un gros challenge de type Winter, du coup, un 10 là? On pourrait, hein. Let it snow, let it snow, let it snow. On va tenter. Faut qu'on termine, faut qu'on libère nos trucs, qu'on repose ça du coup. En attendant, on traversera sur le moon. Ah, on a notre colis qui est arrivé. Voilà. Et bon, excusez-moi, j'ai du mute, ça toussait fort. Hein. Je suis en pause, hein. Ça marche, c'est pour ça que ça n'avance pas. On va retourner sur la plage, hein. Faire une petite fouille, non, pas vraiment. Ça c'est de type moss et rose. Ça c'était pas de type rose finalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bah, pas cataloguer puisque toujours pareil, il nous faut le remember là. Terrible. Ça je crois qu'on peut l'ouvrir assez rapidement, on verra. Marrant, les objets ici sont de type Winter globalement, le couteau, l'horloge. Ouais, c'est le problème, c'est vrai que c'est deux fois 60 secondes quand on fait ça. Ok. Donc si, on va aller travailler un peu à l'auberge. Hop. Et on va aller faire un tour sur la plage. Façon, ça c'est de type Winter aussi. Je pourrais mettre un souvenir de type Winter pour le monter de niveau et sans en avoir un facilement avec le en jetant un objet à la mer. Je jette un bocal de sable à la mer et puis on a ce qu'il faut. Juste que ça travaille. Allez. Ça parle de quoi ça? Rime and remembrance. Parler avec les morts. Tourmenter les vivants. Célébrer les deux. Mais...
Et du coup, on a un memory regret, parfait. Donc on a cette leçon qu'on va pouvoir apprendre, mais c'est pas une priorité. On va pouvoir, on a dit, travailler sur un gros challenge. Mais il faut qu'on repose ça. Ah là là, c'est terrible. Terrible, terrible. Et là, on est en train de faire des trucs, mais ça va se terminer vite. Comme je le pensais au début, hein, ça nous bloque hein, de ne pas avoir de wins, de whist, de whist. Y arriver. Alors, on peut aussi travailler sur le moon, mais on va essayer de profiter de nos souvenirs pour faire un gros winter. Level, un niveau 10, là, ce sera notre premier niveau 10. Il est écrit en latin en plus. Et en plus, il parle aussi de Rim and Remembrance. Alors en attendant, on va ouvrir ça. Hop. Voir ce qu'ils nous ont envoyé de beau. Parce qu'avec nos compétences, on n'a vraiment pas de sky, c'est terrible, hein. Là, on a 2 de Grail. On sert à rien. Il nous faudrait une compétence sky, parce qu'on a plein de compétences qui sont de type sky. On pourrait fabriquer des choses avec, mais on est un peu coincé avec ça. Ok, on a retrouvé du sable. Parfait. Très utile. Alors, ici, on récupère le wire copper qu'on avait demandé. On va le mettre à côté de l'autre. Le sable, on va le garder là parce qu'on le jettera à la mer pour générer un souvenir de type winter, je pense. Donc, il faut juste qu'on termine ça. Vite fait. En attendant, on va cataloguer. Tac. Pas besoin de cet emplacement. Là, il va nous falloir le bureau pour pouvoir faire un truc de ce niveau-là. C'est parti. Mets-toi, on te met toi. Mets-toi, on est à 7. Mets-toi, on est à 10. Excellent. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On va aller travailler à l'auberge. Faire un tour sur la plage. Du coup, après, il va falloir qu'on apprenne les deux là. Là, on va sans doute débloquer pas mal de rythmes à Remembrance. 4 normalement, si je me fie à ce que au fait que sur les challenges level 8, on en avait 3. Alors, on a débloqué Sky level 6. Bah, ça reste trop pour nous, hein. On n'a pas de sky, du coup on va apprendre. Alors, on va profiter qu'on a un souvenir disponible. Ah mais ouais, mais il faudra notre effort de type Winter et on l'a pas malheureusement. C'est con ça. Du coup, on n'a pas ce qu'il faut. Alors qu'on avait un souvenir qui colle. Bon, c'est pas grave, on va apprendre cette leçon-là. C'est marrant, c'est quoi? C'est un espèce de tube de gouache qui met des étoiles. On mélange des couleurs pour faire des étoiles? Peut-être. Lui, je l'ai pas committed. Oui, parce qu'il faudrait qu'on le monte niveau 2 pour le committed dans Ushri, hein, c'est ça.
Alors, une nouvelle compétence. Tiens, c'est rigolo, ça, même pas dans Ushri, tiens, alors que c'est parler avec les morts et tout. Est-ce qu'on catalogue? Tiens, c'est marrant ça, j'avais jamais fait gaffe quand on mettait REB, c'était vraiment. Je suis le bibliothécaire de Hushouze, je poserai des questions aux villageois et j'ajouterai leurs connaissances à mes compétences. À quoi sert la case où les moines s'entraînaient aux armes? Bah, du coup. Probablement à s'entraîner, mais il faut les bons skills et surtout les bons trucs là. Et moi, je suis pas très très, enfin, je suis plutôt cérébral. Tu vois, il faut du edge, du scale ou du earth. Donc globalement, on a ça éventuellement qui est de type else, mais il me faudrait un skill de type else et je crois que j'en ai pas. Je pense que je pourrais travailler dessus avec ça parce que c'est scale. Et je crois que le shaft est de type scale. Il faudrait une memory qui va bien aussi. Il faut voir, je sais pas exactement à quoi ça sert. Normalement, ça permet de se crafter en fait ces trucs-là. Tu mets des choses dedans et ça permet de crafter. Après, on a aussi le fait que là, on peut evolve via illumination. Donc si on a quelque chose ici qui est committed to illumination, mais je crois qu'on l'a pas pris, illumination, elle est là. On pourrait s'en servir pour fusionner deux aspects de l'esprit identiques et en faire un plus fort. Mais ça nous sert à rien. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de truc d'entraînement. Là, il y a par exemple, il y a le télescope ici aussi. Où on n'a pas trouvé de truc d'entraînement qui nous permette d'améliorer nos cartes existantes. Il en est où notre lecture de livre là? On a fait la première partie. On va collecter, hein, du coup, cataloguer, pardon. Hop, on catalogue. Malheureusement, pour le moment, pas grand-chose d'autre de faisable. Ça, faudrait qu'on le foute ailleurs. On va pas le mettre dans le jardin d'hiver, ce truc-là. Voilà. Ça nous fera de la place, c'est pareil. Non. Viens là, toi. Toi, on va te mettre dans le jardin d'hiver. Sûr qu'on peut trouver un endroit où te mettre. Voilà. Ça fait un petit peu de place pour les livres qu'on maîtrise comme ça. Alors là, on a trouvé un package, tiens. Un truc de contrebande sur la plage. Parfait. Interesting. Alors, on a découvert ce livre. Mystery Forge de level 4. On a là de level 6 pour le moment. On va échanger. On va pas faire ça. On va poser un petit bout de sable là, prendre lui, le poser là. Le truc de contrebande, on va le mettre là. On se souviendra que c'est ici que ça va, tant qu'on les a pas cherchés. Celui qui est de level 6, on va le mettre là. Est-ce qu'avec ce moon... pas ce qu'il faut. On va cataloguer. Le dernier livre que l'on possède pour le moment. Après, il va falloir ouvrir des salles. Alors ici,
On a masterisé. Ah, on a eu que deux trucs, tiens, du coup. Ok. Ça, c'est de type Moon, mais on a ça qui est paralysé, donc on peut pas travailler dessus. On va perdre le souvenir, du coup. Oui, de toute façon, il était de type Pointer, donc on s'en fout. Ah, quand on prend du respect à la taverne, ça nous donne une mémoire qui donne du forge. Ok. Ça, c'est intéressant. Deux de forge, là ça peut nous permettre de booster le forgeron de manière vraiment sympathique. On va essayer d'ouvrir des salles demain. Celle-là, peut-être, à 4, on peut... Celle-ci. Ouais, on va ouvrir des salles demain. Demain, on ouvre des salles. Et là, on n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit avec ce qui nous reste. Donc, on va attendre. Alors, on a plein de choses à faire demain. On va prendre ce petit tas de sable à la con. Et dès que le jour se lève, on le jette à la mer pour générer un souvenir de type Winter. The Shadow in the Stair. Ah, c'est du nectar. On est mauvais en nectar aussi. Même pas sûr qu'on ait un... qui match. Alors, attendez, il nous faut une plante. On a un aspect qui fait ça, non. On a rien qui clignote ici, donc on a aucun aspect de type nectar. Donc là, on attend le matin. Alors je pourrais lancer un truc avec lui, mais il sera fatigué du coup. Enfin, quoi que, ça sert quand même à quelque chose. On va faire ça, je crois qu'on récupère que un penny, ouais. On va le faire, voilà. On va dire la bonne aventure pour quelques pennies, voilà. On perd nos souvenirs, donc c'est parti. J'ai rempli mon tri. J'ai rempli mon tri. Mon arbre? Ah, non, pas encore parce qu'il faut que je les fasse monter de niveau. Mais on va arrêter l'épisode de VOD là, il est suffisamment long du coup. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment, je bois un petit coup. Hop là. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi, et on se dit à très vite pour la suite.